Appuyées par le programme des Nations Unies pour le développement, des personnes qui avaient fui les violences à Bangui et qui ont pu retourner cette année dans leur quartier ont bénéficié d'une formation en gestion des affaires sur le thème « Transformer les jeunes en acteurs de la réconciliation et du développement humain ». Pendant ces événements, on s'est rendu compte que beaucoup de ceux qui font partie de la population ont perdu leur moyen d'existence. Certains n'ont pas d'activité. Par exemple, les commerçants, ils ont perdu leur capital. L'objectif de cette formation est d'enseigner à ces anciens déplacés les bases de la gestion des affaires pour leur permettre de développer les activités génératrices de revenus. Nous avons choisi de travailler avec eux pour leur permettre de ne pas rester oisifs, de ne pas rester sans activité. Et donc, sur la base de cette formation, certains vont recevoir des kits qui vont leur permettre de relancer leur activité économique. Éprouvés par les événements de ces dernières années, les anciens déplacés ont du mal à retrouver leur niveau de vie qu'ils avaient avant la prise du pouvoir de la CELECA en 2013.